vous le répète, on sait pas s'il est mort. J'espère que c'est le cas. Sinon... Sinon quoi? Parlez-nous plutôt de ce navire. Le Sangre de Toro était un cargo panaméen. Il a disparu en 49 près des côtes du Pérou. Et vous savez pas ce qu'il transportait, ni comment il a fini dans le désert, ni pourquoi il s'y intéresse? Non, c'est vrai. Mais s'il le veut, alors on le veut aussi. Bonne chance. Hé hey, je crois que j'ai une solution. Ouais, compris. Regarde. Je vais pas plus loin. Bravo 2, je tire d'ici. C'est vraiment trop chaud pour moi dans le coin. Ils sont trop supérieurs dans les airs. On reste en contact. Terminé. Allez, on doit découvrir ce qu'il faisait ici. Pour localiser le Sangre de Toro. Je comprends toujours pas pourquoi Kirilenko cherche ce vieux cargo. Mystère. Ghost Rider, ici Bravo 2-2. Voici, tu trouves quelque chose sur la fréquence 0-1-1 Alpha. Ok, ouais, j'ai trois signaux. Je t'envoie ça sur ta carte. Ça me donne soif. Un barrage. Ouais, ici, c'est un coin à se faire piéger. Yeah.
sniper, merde! On dirait que ce chemin-là-haut mène jusqu'à l'antenne. Merde, c'est qu'on va être sacrément à découvert. Si jamais quelqu'un nous voit... C'est que c'est un de ces boutons. Celui-ci. Ah, celui-là. Ah, je savais bien que j'aurais dû faire des études. Je sais même pas utiliser un ordinateur. Hey, voilà. Ok, continuez sans moi, je me débrouille.
Que faire, que faire, que faire? Quand c'est... Toi... Faire tourner ce cadran. Ça a marché. Ça a marché. Je suis vraiment surpuissant. Hey, si jamais il m'arrive quelque chose, vous savez, je veux qu'on m'enterre près du stade des Cowboys, au Texas. Descendez ce type! On doit continuer à grimper! Thank you.
rien non plus, Dr. Dimanche. Vous étiez. Espèce d'enfoiré. Thank you.
Voilà, c'est fait. Mais... Et merde! Preston, je vais devoir rester ici pour maintenir le signal. Va falloir que tu changes de position pendant que je fais certains réglages. Et moi, j'en profite pour voir ce que je peux découvrir sur ce cher Aguayer. Oh ouais, Sangre de Toro. Enfin, je te tiens, mon joli petit navire fantôme. Je t'envoie les coordonnées tout de suite. Bien joué, Marlowe. Triangulation réussie. Tu devrais voir le cargo sur ta carte maintenant. On doit rester près des antennes pour maintenir le signal, Marlowe. Bon, à toi de jouer, mec. Marlowe, si t'es coincé, j'ai peut-être une idée pour te sortir de là. La plupart de ces épaves transportaient de l'essence ou du pétrole. Tu dois pouvoir tout faire sauter pour passer.
Cool. Et voilà. Je me retrouvais dans un cargo soi-disant disparu, à chercher quelque chose qui aurait dû rester enfoui. Mais j'avais mes raisons. Moi aussi, je voulais rentrer. Et puis je l'ai trouvé. Et c'est là que tout a basculé. C'est cette fameuse opération Aurore. Je crois qu'on a tapé dans le mille. Quoi ? Mais c'est génial ! Sergent, laissez-moi lui parler ! Continue, Preston ! Non, attends, je connecte les voyeurs aussi ! Ok ! Ouais. Waouh ! Apparemment, on savait que les Japonais possédaient la technologie scalaire dès 1943. L'opération Aurore, c'était une mission suicide.
Et on a sacrifié tous ces soldats. Tous. Wyatt. Faraday. Wyatt ? Ils savaient ? Ouais. Ils avaient même estimé les pertes à l'avance. Ils voulaient sûrement vérifier les capacités de l'arme. Minute. Bon, vérifiez ce code. Sierra Foxtrot 1079. C'est bien un préfixe militaire américain, mais je ne trouve rien du tout. Il y en a beaucoup ? Difficile à dire. J'en vois qu'un. Prends-le et ressors au plus vite. Ça craint vraiment. On retire tous nos agents de la zone. Bien reçu.